Et j'ai vérifié ce matin, j'avais peur que on doive recommencer du début, mais non, c'est bon, ça a gardé notre sauvegarde. Kiki, qu'est-ce que tu fais? Elle me tombe à moitié dessus. Kiki! Tu dis bonjour, Kiki! Attendez, je vous remets ça comme il faut. Hop! Le son du jeu est bon ou pas? Bien là. Oui. J'entends réfléchir au son que je veux si je prends le son des fêtes de la mort dans Dark Souls, ça vous va? Choisis ce que tu veux. Ce que tu veux. Fais-toi plaisir. C'est trop un truc qui puisse faire plaisir à tous les moignons. Oh. C'était trop chou. Kiki, l'enfant de Nao. Exactement. Oh. T'as mieux. C'est bon, t'as fait des câlins. Mais elle me tombe à moitié dessus, c'est chiant. Travaille ton équilibre, Kiki. Un petit peu. Attendez, au pire. Regardez ce que je vais faire. Bougez pas. Le son est bien? Ok. Oh là là, ce son. Tiens, je mets le plaid de protection pour pas qu'elle me dézingue. Vas-y, viens, monte. Voilà. Alors, du coup, c'est Kiki qui fait le live. Bonjour les petits moignons, aujourd'hui on va faire un déménagement. On retourne du coup sur Unpacking. Je vous rappelle un petit peu le principe du jeu. C'est un jeu tout chill, tout tranquille, tout mignon. Où tout simplement, en fait, on déménage et il faut ouvrir les cartons et réaménager notre intérieur. Clairement, c'est ça. C'est vraiment le jeu déménagement. Ouverture de cartons. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait fait plusieurs étapes de notre vie. C'est-à-dire qu'on commence le jeu, on est enfant, on prépare notre chambre d'enfant, etc. On a eu le moment université, on a eu le moment où on était en colocation. Et que nos colocs mettaient leurs affaires absolument partout, c'était insupportable. On s'était arrêté là, rappelez-vous. On a eu le moment où on emménageait avec notre copain. Et que pareil, on lui enlevait ses affaires parce que c'était mal rangé. Et là, je crois qu'on s'est arrêté au moment où, ça y est, la rupture. C'est un peu triste, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a eu la rupture et on habite de nouveau toute seule. Et je crois que c'est notre premier appartement toute seule. Attendez. Ouais, c'est ça, on est tout seul, hein. C'est que chez nous. Oh là là. Voilà, il y a toutes ces pièces-là à faire. Il est beau, notre petit appartement tout seul. Hey. Trop bien. Bon, la cuisine est un peu moche, mais bon, c'est pas... C'est chez moi, exactement. Allez, c'est parti. Oh là là, je vais encore me marrer pour ranger les vêtements, par contre. Alors, les petites chaussettes. Petites chaussettes encore. Hop. Bah, pose-toi, bébé, j'ai mis exprès le plaid. Là, il y a un petit journal. C'est quoi, c'est chaussettes ou culottes, ça? Peut-être culottes. On va mettre les culottes là, hein. Prends la culotte. Hop. Alors, attends. Ah! Ah bah oui, ça marche pas! Merde. Ah mais j'ai que ça pour... Ah ouais. Le placard est grand, mais... D'accord. Bon, bah on va se démerder comme ça. Hein. Avec le pyjama. Oh, on a une petite bouillotte! Reviens. Un petit cintre. Un autre petit cintre. Une petite jupe. Non, on va peut-être pas me mettre sur cintre. Je vais mettre là. Bah, tu veux pas monter? Maman l'a mis protection. On va savoir. C'est quoi, ça? Bon, ça, je sais pas ce que c'est. Un kit de couture? Je sais pas. Petite culotte. Attention, petite culotte. Hop. Petite culotte encore. Une autre petite jupe. Merde. ça va être chiant, ça. Notre petite jupe. Le petit gilet. Ah, ça fait un peu le gilet de grand-mère, hein, quand même. Hein. On n'a pas 50 balais, hein, c'est notre premier appart tout seul. Une chaussure. Un petit pull. Attends, on n'a pas beaucoup de place, hein, pour ranger les vêtements. Ah, j'ai mis les chaussures dans le mauvais sens.
Eh bien, j'ai l'impression qu'on est une daronne hein, quand même. Regardez les vêtements qu'on a. C'est compliqué. La voix de vieille gamine hier. C'était quoi déjà la voix? Oh, mes aïeux. Un truc comme ça. Ça, c'est quoi? Petit MP3, on va le mettre là. Oh là là, mais attends. Ah non, ouais, ça doit être genre une photo de ma famille. Peut-être mettre le journal là. Je vais le cacher. Hop. Là. C'est quoi ça? Ah, une bougie? Attends. Le réveil plutôt près de moi pour que je puisse l'éteindre facilement. Une bougie peut-être, je ne sais pas. Une boussole? C'est si jamais on se perd dans votre appart. Coucou Dan, tu vas bien? Ah, ça c'est un truc à encens, non? Ouais, ça y ressemble bien. T'es en train de tomber, bébé. Tu m'expliques comment tu fais? On a une autre bougie. Peut-être pas tout laisser dans la chambre, en vrai. Attendez, je mets ça là pour le moment. Soutif. Hop, les soutifs là. Un autre soutif. Malade. Oh, maintenant encore. Terrible. Je dis ça, mais moi, je commence à... Ah, je commence à être bien enrhumée aussi. Couvrez-vous, hein. Une petite robe. Hop. Le petit tapis de yoga qui va bien. On va le mettre là. Sur les chaussures, ouais. Wep, wep. Si vous voyez l'état de mon placard. IRL. C'est le seul truc, genre, ma chambre elle est bien rangée et tout, mais alors, genre l'état de mon placard c'est une catastrophe. Genre ça reste rangé mais 5 minutes et après c'est déjà le bordel. Oh mais allez. Un autre pyjama. C'est un pyjama? Je suis pas sûre en fait. Ah oui le cochon. Alors le cochon, ah, ça se voit d'ailleurs qu'il a vieilli un peu. On le trimballe depuis qu'on est petit. Hein. D'ailleurs vous avez des gruic-gruic. Petit sweat. Attends, on dirait un sweat. Comment elle s'appelle la marque d'Amixem là? Johan, il en a un de sweat comme ça là. Je sais plus. Vous avez des emotes, Gruic-Gruic? Space Fox, ouais, c'est ça. Bébé, aïe, aïe. Elle est insupportable. Je mets exprès le plaid. Elle fait la même chose quand. Genre, elle est couchée, que dans le lit. Je mets une protection, genre la couette ou le plaid. Pour pas qu'elle me défonce avec ses griffes. Et en fait, elle remonte ses pattes de plus en plus haut. Mais arrête! Et du coup, elle tâtonne sur moi. Vous savez quand ils font ça, là. Moi, je dis qu'elle tâtonne. Et je tâte. Pose-toi, bébé, t'es chiante. Oh là là. Qui l'enfant de l'enfer. Allez, en vrai, vous l'adorez et tout, et je l'aime d'un amour éternel. Mais qu'est-ce qu'elle est pète bonbon par contre, vous imaginez même pas à quel point. Mais vraiment, c'est un peu l'enfant du malin quand même. Elle est vraiment pète bonbon. À chaque fois, tous les gens qui rencontrent mes deux chats, ils ont toujours une préférence pour Samara. Parce que Samara, elle est calme, elle miaule pas souvent, elle fait pas trop de bêtises. Elle est discrète, elle est toute mignonne. Kiki, c'est l'enfant insupportable, la petite princesse qui braille H24, qui te colle tout le temps. À peine t'es posée, elle te saute dessus. Qui vomit souvent aussi, bon ça c'est pas de sa faute, mon bébé. Enfin voilà, Bart Simpson. Non mais c'est vraiment en mode princesse, je suis en train de faire la tour Eiffel là, avec mes t-shirts. C'est vraiment la petite princesse, vous voyez. D'ailleurs, Yuan, maintenant, il l'appelle Duchesse Kiki. Voilà. Pour la petite anecdote. Un pantalon. Oh là là! Mais non! Pas là! Mais... Je comprends pourquoi tu veux pas d'autres enfants. Non, mais vraiment, sans rigoler, hein. Mes deux chats me prennent déjà énormément de temps. Hein. Surtout Akira. Akira, elle est extrêmement... c'est pas... Vous savez, il y a des chats. Mais non. Mais ferme-moi ça, nom de Dieu! Non! Oh, mais... Zut! Voilà.
Il y a des chats, vraiment, tu leur donnes à bouffer, tu leur donnes à boire. Et voilà, quoi. Ils veulent rien d'autre de toi et tout va bien. Non, mais c'est une culotte, ça, en fait, non? Akira, ce n'est pas du tout un chat comme ça. Absolument pas. Genre, c'est le contraire, même. Akira, il faut s'occuper d'elle, mais H24. Et si tu le fais pas, bah, t'inquiète pas qu'elle va t'en faire voir toutes les couleurs, quoi. Un bébé. Oui. Après, je l'aime, hein. Je l'aime d'amour fou. Mais qu'est-ce qu'elle est chiante des fois. Vous pouvez pas savoir. Ah. Alors, est-ce qu'il y a encore des cartons mal rangés? Bon, je bougerai peut-être les bougies. Alors. On va s'occuper du bureau. Oh, j'ai un petit cactus. D'ailleurs, mon petit cactus, oh, il fait la gueule, ça fait un moment que je l'ai pas arrosé. Le mien, là. Le vrai. Le petit ordinateur. On n'a plus notre vrai ordinateur? On n'avait pas un vrai? C'était celui de notre copain, c'est ça? Chiotte. Un petit bouquin. Aujourd'hui, elle veut câlin. Ah non, mais c'est pas qu'aujourd'hui. C'est tout le temps. C'est H24. H24 les câlins. Et alors là, si t'as le malheur d'arrêter de lui faire des câlins, mais... c'est la merde. Je vous jure. Les petits dessins. Je sais pas si c'est moi qui les ai dessinés. C'est peut-être moi. C'est peut-être moi. Le petit agenda pour planifier les lives. Le calendrier de l'Avent. Les prochains dessins. Les commandes. Hop. D'ailleurs, j'ai hâte de vous mettre de la nouveauté sur la boutique. Les stickers arrivent. Hein. Les stickers Jinx arrivent. Il y a d'autres stickers qui arrivent aussi. Hop. C'est quoi ça? C'est un truc de déco ou c'est un truc pour salle de bain? Je sais pas ce que c'est. Coucou Ince, tu vas bien? Ince. Mais il y en a deux en plus. What the fuck? Je sais pas ce que c'est. On parle de qui comme le diable de Tasmanie? C'est un peu ça en vrai. Hein. Oh, les lampes à lave. Oh, ça me donne trop envie d'en racheter une. C'est trop bien ça. Ah, la petite imprimante qui va bien. Dans quel sens? En tout cas, ouais, les stickers arrivent. Et je vais retourner... Ça, je sais pas ce que c'est. Scanner, peut-être. Je vais retourner chez l'imprimeur pour les A4. Mais pour ça, il faudrait que j'ai un... Ah, voilà. Ah, ça, on a tous ça chez nous. Vous savez, l'énorme boîte ou l'énorme carton où il y a 40 000 fils HDMI... câble, donc tu ne sais plus à quoi ça sert. De prise, de trucs à la con comme ça. On l'a tous, ce carton. qui ne l'a pas? C'est impossible. C'est quoi, c'est un jeu, ça? La boîte de câble, mais oui. Ah, petit truc de post-it. Ah, ça doit être pour Internet. Oh, mais ça, là. Petite horloge. Hop. La baleine, c'est peut-être des serre-livres. Ah, tu penses? Ça fait truc de salle de bain un peu, hein. C'est un peu chelou, mais bon. Père range les câbles avec les bacs de serrage pour pas qu'ils s'en mêlent. C'est bien. En vrai, il les range bien. C'est cool. J'étais en train de dire quoi? Ouais, pour les... Oh non, je peux pas l'aligner. Ah si, attends. Ah si. Pour l'imprimeur, je voulais retourner chez l'imprimeur pour imprimer des nouveaux dessins. Le truc... Arrête, Kiki. Elle est chiante. J'arrête de la caresser, elle me donne des coups de tête sur la main pour que je la caresse. T'es un peu relou. Hein? Le truc, c'est que je sais pas ce que vous voulez comme dessin. Malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire de nouveaux dessins là ces derniers temps. Du coup, j'ai pas énormément de nouveautés à vous proposer.
Oh, des chats. Oui, des chats. Après, on va voir si... Parce que je vais pas aller à l'imprimeur tout de suite. Alors, d'ici une semaine ou deux, j'aurai peut-être un ou deux nouveaux dessins. Eh, mais c'est Zelda! Non? Ah non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Ça ressemble vite fait, mais... Eh, mon bureau, il est beau. Quelle est moi, esclave. Ici, là? Ah si, ouais, je peux mettre des trucs, là. Ah, intéressant. Peut-être pas ça, mais... Ah, mon diplôme. Le diplôme qu'on avait voulu mettre dans les toilettes, rappelez-vous. On va le foutre, là. Bam, 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 hop. En tout cas, si jamais vous avez des envies particulières pour la boutique, n'hésitez pas à me dire. Je sais pas s'il faut que je vous le demande en live, est-ce que je fais un post, est-ce que... Je sais pas ce que vous préférez. Vous préférez qu'on fonctionne comment? Est-ce que vous voulez rien? Je ne sais pas. Pif. Ah oui, puis je voulais vous faire la surprise, entre guillemets, mais je peux vous le dire. C'est pas non plus un truc de ouf. Mais il y aura des petites promos sur la boutique pour Nawel. Non, regardez, je peux même pas mettre... C'est pas des serre-livres, hein. Je peux même pas les mettre debout quand ils sont là, du coup. J'en suis sûre que ça va dans la salle de bain, cette merde. C'est pas possible. Faut repeindre le mur en haut à droite. Ah oui, c'est un peu moche, là. Et là aussi. On en a chié pour avoir ce diplôme, exactement. C'est pour ça. Oh là là, j'ai encore 50 millions de bouquins. Ça, c'est terrible. T'as bébé. Oh oui. C'est pour dessiner? J'étais en train de me demander ce que c'était. Je crois que c'est pour dessiner. Attendez, il me faut de la place. Oh là là. J'aimerais bien tenter de la peinture. On avait parlé d'un live peinture d'ailleurs un jour. Ouais, qu'on en fasse un. Le truc, c'est que ça coûte cher, les trucs comme ça. Ça, qui a ça, sérieux? Les petites boules, là. Qui a ça? Ah, je peux les mettre par-dessus, cool. Petite poubelle. 30 euros, avec la toile? Après, le truc, c'est qu'il me faudrait les pinceaux, il me faudrait la couleur, il me faudrait tout. C'est quoi cette merde, là? Qu'est-ce que je tiens? Je ne sais pas. Coucou à Travis, il va bien. Faut être fou. Je vois encore trop tellement je suis pas réveillée. Bon, ça va, je suis levée depuis 8h30, donc ça va. Tranquille, je suis réveillée. Oh, ça y est, voilà. Les garçons sont rangés n'importe comment. Ça y est, ça commence. Bon, je rangerai ça après. Ah, une boule anti-stress. Ah, peut-être. Bon, ça, je suis vraiment pas sûre que ça aille là. Mais le bureau est joli, hein. Eh! Dun, 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 dun. C'est quoi ça? Pour les cifs peut-être? Ça c'est du déo? Je sais pas. Attends, mais j'ai rien pour poser les serviettes? Ah si. Hop, je peux mettre une là. Attends, mais pourquoi il y a un truc dans la douche? C'est bizarre, non? Petite brosse. Le petit lisseur, putain, qui prend toute la place. Ça doit être des médocs, je pense. Ou des tampons, je sais pas trop. Médoc, peut-être plus. Médoc. La lessive, ouais. Donc, voilà, c'est sûr, à l'échelle du Covid-19, la boule bleue. Aïe. Oui. Ah, attends, le rasoir, je peux peut-être le mettre là. Non, attends, le parfum, on va pas mettre là, par contre. Mettre le parfum là. Le rasoir, ici. Voilà.
Dans l'autre sens, normalement, mais bon. La petite brosse à dents. Ah, j'ai même pas un petit verre pour mettre la brosse à dents, quoi. Dentifrice. Ah, si. Quand même. Nous ne sommes pas des gitans. Je raconte n'importe quoi. C'est pas grave. Un corps des bédocs. Hop. La petite trousse de secours. J'ai plus de place. Parfait. On va la mettre là. Corps, pansement. Oh, genre, je peux pas les mettre là, quoi. Ah, oh, je vais être obligé d'enlever le déo, en fait. Hein. Le parfum. Je vais dire un sort pour la boîte noire, comme ça, il rouille. Ouais, ouais, je sais. C'est pour ça que je disais, il faut le mettre dans l'autre sens. C'est vrai que c'est pas ouf, ça. Nombre de fois où ça m'est arrivé, en vrai. Petit coup ongle. La petite pince à épiler. Kikika. Coucou Parkim, tu vas bien? Kikika. Ah, c'est les petites boules! Non, non, c'est les petites boules pour se laver. J'en ai une en plus. Voyez? Ah! La LED! C'est la fleur de bain, c'est ça. D'ailleurs, team fleur de bain ici. Hein. Les gants de toilette, j'ai jamais pu piffer ça. Oh là, mais ça y est, plus de place, c'est le bordel. Le petit PQ. La trousse à maquillage. Putain, c'est pas ouf niveau rangement. Ah, je peux pas la mettre là en plus. Ah, bon, au revoir Kiki. C'était chouette. Je t'aime. Au revoir. Bon. Je vais garder le plaid, hein, du coup, je suis bien là. Ouais, ça, on appelle ça des loufas. De quoi, les fleurs de bain? Fleurs de bain, ça m'a toujours dégoûté. Ah bon? Pourquoi? Ouais, tu les laves hein, à chaque fois. Hein. Tu les laves, tu les rinces bien. Tu la gardes pas 500 millions d'années non plus, faut la changer. On peut pas la mettre en dessous là. Ça d'ailleurs, la balance, je vais finir par acheter la mienne. Hein. Je vous chie. Je me pèse. Encore, je trouve que je me suis un peu calmée ces derniers temps, mais. Je me pèse H24. Je sais que c'est débile hein, de faire ça, hein. Mais je me pèse H24. J'ai plus de place. Comment qu'on fait? Genre, j'ai pas le droit de poser ça au-dessus d'un... Ah, si. Bon appétit, Zianalise, et bisous. Si jamais je suis plus là... Moi, je coupe à midi et demi, hein. Si jamais. Ah, j'ai un poil de chat dans le nez. T'as dit que je peux t'envoyer par où le sensbit que je veux. J'ai une mémoire naze. Où tu veux. Sur le réseau social que tu souhaites. Discord, généralement, c'est plus simple. Mais si tu veux me l'envoyer sur Twitter ou... bon, Instagram, ça sera, tu pourras peut-être pas, mais sinon, où tu veux. La balance, elle est réglable, du coup, si ça me plaît pas, je peux tricher. Attends, mais quoi? Mais attends, c'est quoi la... Ah. Je savais même pas que ça existait. Oh là là. N'importe quoi. Tu pèses combien? Je suis à 54, je crois. 54. Peut-être des cacahuètes, je sais plus. Globalement 54, on va dire. Petite poubelle. La petite poubelle, là. On va la mettre là. Ah, les petits gels douche. Hop. Attends, il n'y en avait pas un tout à l'heure? Ça y est, je suis perdu. Là. Là, c'est le shampoing. Encore un gel douche. J'ai perdu 50 kilos. La balance qui fait peur à tout le monde. J'arrive pas à me dire que c'est propre, la fleur de douche. Bah après, si tu la nettoies... Ouais, je sais pas. J'ai... Merde. J'ai beaucoup de mal de me laver à la main, je sais pas, ça me perturbe. J'ai plus de place, hein. Bon, bah on va mettre les serviettes là. On va mettre les produits de beauté ici, parce qu'on a plus de place. Voilà. Comme ça, on peut mettre ça là. Est-ce que je peux mettre la serviette dans le tiroir ou... Ah non, ça rentre pas. Bon, c'est un peu le bordel, hein. C'est pas la... Est-ce que je peux fermer... Oh, je peux pas fermer le rideau. Ah, c'est le bain de bouche, ça. Ouais, mais j'ai plus de place.
Je peux. Bon, c'est pas super bien rangé, mais. Compliqué de faire mieux là, je pense. Ah, attends, je pouvais accrocher un truc là. Ah! Ah, bah voilà. Comme ça, on peut mettre ça là. Et ça là. Voilà. Et mieux? Ok, ça c'est bon. Ensuite, on va faire la cuisine. Coucou, le pain, c'est du pain. Tu vas bien? Le pain, c'est du pain. Le pain, c'est du pain. C'est quoi ça? C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. J'en ai aucune idée. Mais c'est qu'est-ce que... C'est quoi? Mais c'est quoi? En plus, il y en a plein. Des sous de verre? Ah, peut-être. Peut-être bien. Ah oui, ça, c'était pour quoi? Les cuillères à quoi? À café? Oh, de la petite sauce soja, là. Mmh, miam, 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 miam. Un petit... Ah bah attends, non, ça va pas mettre ça là. On va foutre ça par là. Le petit papier sulfurisant, là. Ça, on va mettre ça ici. Oh, des petits trucs pour faire des gâteaux. Regardez, je pourrais faire un gâteau de mouille. De à l'aide, pas de mouille. Mettre ça ici. Vinaigre, huile d'olive. Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Coucou Maria, tu vas bien? Ah, alors attention, on va faire... On va faire deux équipes, on va faire des rageux. Team sauce sucrée ou sauce salée? Pour la sauce soja. Avec les nems, les petits pocs, etc. Les nouilles. Attention, ça va se battre là. Je sais que nous en soirée, ça divise toujours les gens en deux. Hein. Salé, sucré, salé, salé, sucré. Ah ouais, voilà. Vous voyez, c'est deux teams. Coco, tu nous ferais pas un petit vote? Si t'as la motive, s'il te plaît. Je veux savoir qui l'emporte. Je veux savoir. Et moi, vous pensez que je vais dire quoi? Vous voulez du sucre glace sur vos sushis? Ça y est, j'ai lancé le pire débat au monde, je crois. Ça me fait tellement rire, moi. Merci, merci pour le sondage. Vous avez le sondage, allez-y, répondez au sondage. C'est une question de vie ou de mort. Moi, je vous dirai après. Je vous dirai après. Je veux pas vous influencer au cas où. Ça y est, il y en a déjà qui râlent en fait. Ça va passer. J'ai pas suivi de quoi on parle, mais si tu dis pas, ça l'est unfollow. Quoi? Putain, il y a du centage. Du centage. Indifférent? Non, t'as forcément une préférence. C'est un peu si brou. Ah, ça c'est trop bien. La petite liste de courses et tout là. T'as forcément une préférence. Ah ouais, le favori, bah ouais. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous pouvez aimer les deux? Moi, par exemple, j'aime les deux. Mais il y en a un que je préfère plus que l'autre. Ça va se battre. Hein. Ils vont faire un 50-50. Non, mais t'es le vrai vote. Moi, je veux savoir la vérité. La vérité vraie. Je trouve ça tellement drôle. Vraiment, genre, quand on est en soirée, à chaque fois... Hein. Dès qu'il y a des nems, etc. Ou des sushis. J'ai un pote, il fait ses sushis soi-même. Chez qui je vais... On va souvent en soirée et tout. Et genre, il fait des bons sushis, quoi. Ils sont vraiment super bons. Du coup, maintenant, je commande plus, genre, sur Uber Eats ou je sais pas quoi, parce que je trouve qu'ils sont dégueulasses comparé à ceux que lui, il fait. Et... Tu peux mettre la bouteille d'eau? Je peux même mettre des trucs dans le frigo? Non? Et du coup, ouais, à chaque fois, c'est voilà, on est une petite dizaine et ils demandent à tout le monde, alors team salé ou team sucré? Alors là, à chaque fois, mais...
Vraiment, ça divise la salle en deux. Ça crée un débat. Je vous explique même pas. C'est trop drôle. Moi, ça me fait trop rire. Il y a des gens qui commencent à s'énerver et tout. Merde, Lina fait seulement des nems, mais c'est un égal, c'est déjà cool. En plus, c'est pas évident à faire. Hein. Oh, les petits... comment ça s'appelle? Petits rouleaux de printemps, là. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. C'est bon, ça. Ça fait aussi des mois que je rêve de remanger... Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Merde. 50-50? C'est vrai, il y a un 50-50. En vrai, ça m'étonne pas, en soirée, c'est la même. Hein. Mélanger les deux? Tu mélanges les deux, c'est vrai? Oh là 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 là! Ce 50-50 incroyable! Eh ben moi, je vais vous dire. Team sucré! Je suis désolée, team sucré! Ça y est, il y a plein de personnes qui vont m'unfollow. Il y a 50% d'arrêté. Mais j'aime bien la salée. Est-ce que ça me sauve un peu ou pas? Est-ce que ça me sauve un peu? Vive le sucre. Je sais pas, je trouve que ça relève plus le goût. Pourtant, je suis plus salée de base. Vraiment. Hein. De base, je suis plus salée. Mais la sauce salée, je trouve qu'elle est trop salée. Mais vraiment, en fait, quoi, c'est... Pourtant, j'adore le sel. Hein. Genre, je suis une fan de chips, de trucs comme ça et tout. Mais alors... La sauce salée, je la trouve bonne, hein. Je dis pas que j'en prends jamais, hein. Des fois j'en prends. Mais j'ai une préférence pour la sucrée quand même, parce que la salée, je la trouve super salée, quoi. Mais vraiment, trop bonne les salées. Je vais voir 40 personnes quitter le live, c'est... tous les salés vont partir. Et du coup, est-ce que les salés, vous ragez beaucoup? Parce que vous avez trop de sel? Non? Et c'est vrai qu'avec mon vote, on est majoritaire, du coup, ouais. Pelum. attends, quoi? Il n'y a pas la place pour mettre un micro-ondes. Pardon? Il n'y a pas la place. On va pas le faire. Je t'écoute pas, les hérétiques. Oh putain, moi, ça me fait tellement rire, je vous jure. C'est le genre de débat, ça me fait rire. Et ça me fait trop rire. Allez, c'est pas grave. C'est quoi ça? Poubelle? Les deux sont bons en vrai. En vrai, les deux sont bons. Mais la sucrée. Attendez, j'ai envie de lancer un autre débat. Qu'est-ce qu'on pourrait lancer comme débat qui va diviser les gens aussi comme ça? Ça c'est un des plus connus quand même. Hein. J'ai commandé des sushis dernièrement avec des sauces soja, j'avais une sucrée et une salée. La sauce salée est tombée derrière le bureau, fermée. Ah d'accord, ouais, non, je croyais que c'était le bureau qui était fermé. J'ai utilisé la sucrée, j'étais salée et j'ai la flemme de dépasser le meuble pour récupérer le flacon. Incroyable. Incroyable ton histoire. Oula, ça va pas dans la cuisine. Hein. Ouais, non, mais pas en chocolat et chocolatine. Pour moi, il n'y a pas de débat. C'est pas un vrai débat. Non, chocolatine, faut arrêter. Faut vraiment arrêter. C'est quoi, ça? Je crois que c'est des allumettes, mais je suis pas sûr. Encore des assiettes. Une cocotte. Petit pain. Ah, je l'avais pas entendu, celle-là. Le petit pain. C'est même pas un vrai mot. Les kebabs, alors moi je mange pas de kebab, donc comme ça au moins. Je sais pas ce que c'est ça. Ah mais c'est des plats pour aller au four, non? Ah peut-être bien. Moi je mange pas de kebab, c'est le genre de truc qui me rend malade. Je peux pas en manger. Je ne peux pas. C'est trop gras, trop... C'est trop tout. Je peux pas en manger moi des kebabs. Donc comme ça au moins. Ah si, sinon on peut faire mayo ketchup. Après, là, vraiment, c'est pareil, il n'y a pas de débat, quoi, c'est genre, si vous répondez autre chose que la bonne réponse, c'est pas possible, en fait, quoi. Là, je vous banne.
Putain, je vais pour la mettre cette cocotte, elle m'emmerde. Attendez. Moutarde, ouais, j'avoue, c'est la meilleure réponse. En vrai, la moutarde, j'avoue. J'avoue que c'est bien meilleur que tout le reste. Petite cuillère. Tôt. Fourchette. Vers 2h. Il n'y a pas assez de place dans cette cuisine, hein, vraiment. Oh là là, mais il y a encore des trucs. Mais j'ai plus de place. Et c'est pas très propre ici, hein. C'est un cuisseur en pleine cocotte. Ah, vous avez compris. Le lait. Ah, c'était quoi le lait avant ou après les céréales, c'est ça? Non, mais ça, c'est pareil. Y'a pas de vrai débat. Y'a pas de vrai débat pour le lait avant ou après les céréales. C'est du bon sens. Ou du mauvais sens. S'il vous plaît, répondez comme il faut. Ah merde, attendez, j'ai confondu les petites cuillères avec les grosses. Voilà. Poum 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 loulou. C'est quoi ça? Ah, c'est pour faire la vaisselle. Oh, bah la cuisine, c'est un merdier, laissez tomber. Bon, où je mets mon micro-ondes, moi? Attends, je vais peut-être mettre ça là. Le lait avant le bol. Yes. Non, mais le lait avant les céréales. Sinon, c'est tout mou. Après, c'est tout mou, ça se désagrège et tout. Vous êtes fous, c'est d'abord le lait. D'abord, le bol. Voilà, vaut mieux. Ensuite, le lait. Et ensuite, les céréales. Sinon, après, c'est tout mou. Le temps que vous mangiez, c'est de la purée, après. C'est de la purée. Ah, les céréales mou. Ah, mais oui, il n'y a plus le croquant, mais on est d'accord. Le meilleur truc dans la céréale, c'est le petit croustillant. Oh là 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 là. J'ai plus de place. Je vais péter un câble. Je sais pas quoi foutre de tout ça. Ça doit croquer, mais oui. Le lait après les céréales. Non, mais vous savez quoi? Ça va partir en débat. Ça va partir en règlement de compte. Ceux qui mangent, ceux qui mettent le lait après les céréales, c'est qu'il y a un petit souci de mastication. C'est les pépés et les mémés. Vous êtes des petits papis. Vous avez besoin qu'on primache. Je suis morte de rire. J'en peux plus. J'en ai mal au ventre. Je vous jure. Ah, je peux peut-être mettre ça là. Ils ont plus de dents. Perso, j'ai des soucis de dents. Ah non, mais j'ai ça pour rigoler. Non. Tu mets le lait après les céréales pour bien doser. Oh. Ah, non, mais... Le dosage, c'est... Voilà, tu t'y fais, le dosage. Tu t'y fais. Moi, je sais pas quoi faire de ce bol. J'ai plus de place. Help. Je n'ai plus de place. Comment qu'on fait? Je suis en train de galérer avec mon bol. Ah, voilà, ça y est. Bon, le sopalin. Ici. Ça va aller dans le salon, je pense. Ah, vous qui torturez les moignons. Vas-y, analyse. Le lait après ou avant les céréales? Attention. Attention à ce que tu vas répondre. Des gros bisous, Tididi. Très bonne journée à toi. Merci de passer. Attendez, j'ai soif. Putain, c'est bientôt midi et demi, j'ai toujours pas fini cette maison-là. Non, j'aime bien quand ça croque, mais la solution, c'est mange vite. C'est pas bien de manger trop vite, hein, en vrai. Je mange pas de céréales. C'est vrai qu'on dit ça, mais moi, j'en mange plus non plus en ce moment, donc comme ça, au moins. Ça règle la question. Allez, la petite tour de pise. Et c'est reparti pour les bouquins par milliers.
Sinon, des fois, c'est sans lait. C'est vrai que sans lait, même sans lait, moi, je le fais aussi, des fois. Enfin, je le faisais avant, parce que... En ce moment, plus de céréales. C'est Team Porridge Forever, là, en ce moment. Je mange ça tous les matins, et c'est génial. Je kiffe ma vie, vous avez pas idée. Et j'ai converti Yohan au porridge. Hein. Genre, au tout début, on a commencé à sortir ensemble. Je lui ai fait goûter. Au début, petit déjeuner, même pas. Rendez-vous compte, prenez pas de petit déjeuner. Et je lui ai dit, non, mais faut manger petit déjeuner, c'est important et tout. Puis il fait un travail physique, quoi. Et du coup, j'ai fait goûter le porridge. Et depuis qu'il a découvert le porridge, il en peut plus. Il en peut plus. Putain, c'est bon le porridge. Mmh. Ah, on a une petite ouïe. Des côtes de bœuf. Quoi? Un bon chocolat chaud plutôt que des céréales. Mais tu manges quoi du coup? Manger du porridge. Sans lait, genre, t'as pas de lait, t'as la flemme d'aller en acheter. Déjà, moi, je bois pas de lait, donc est-ce que ça règle le débat aussi? Ah non, c'est les jeux, je suis en train de tout mélanger. Ah non. C'est les jeux de Wii. Bref. Le petit poussin. Bois que mon café. Bah, en vrai, je faisais pareil avant. C'était deux cafés et rien à bouffer. Et bah maintenant que je mange le matin, j'ai mille fois moins mal au ventre. Parce que le café à jeun, il me brûlait le bide. Mais alors je vous expliquais même pas. Et je me sens bien mieux. Surtout j'ai moins faim le midi, du coup c'est mieux. Et du coup, plus d'énergie et tout. Après en vrai, je respecte hein, ceux qui mangent pas le matin. Faites surtout comme vous le sentez vous, hein. Si vous avez pas faim le matin, que vous voulez vraiment pas vous forcer, pas une obligation non plus. Hein. C'est quoi? C'est un jeu ou un bouquin ça? Ah mais non, mais si je mets la figurine là, ça me saoule après. Petit cappuccino. Ouais. Ah oui, mais oui, bien sûr. On met un peu de lait dans le café, bien sûr. Du lait. Enfin, du lait d'amande. Le porridge, c'est pour les pépés, les mémés. Ah, quoi? Mais pas du tout. Comment ça, je suis polonaise? Pourquoi? Mais c'est pas pour les pépés, les mémés, le porridge. C'est plein d'énergie. C'est très, très digeste. Pour de vrai. Et puis, ça tient bien au ventre. C'est cool aussi. Ah, le lecteur de DVD, attention. Ah, c'est pour les pépés, les mémés. Tu m'as trop fait rire. C'est un jeu ça? Mais c'est peut-être bien un jeu en fait. Je sais pas. Au bord de la fenêtre. Ah ouais, ouais, ouais. Bonne idée. Ce sera plus joli en plus. Hop. Très bonne idée. Oh là, les bouquins par contre, j'en peux plus. Les fromages de chef, c'est pour les mamies? Fromage de chèvre, attention, c'est super bon. On t'y critique pas le fromage de chèvre. Fromage de chèvre, quoi. C'est quoi, ça? Une enceinte? On va dire oui. Mince. Moi, j'ai la flemme de classer les bouquins comme il faut. Hein. Clairement. J'essaie de faire au mieux, mais... Ça, c'est la suite d'Harry Potter. Vu les gros volumes. Petit âge avant de bosser obligé, et au boulot un deuxième, quand je bosse du matin ou de nuit. Ouais, genre le petit temps qu'il y a. Non, mais je comprends. Hein. Surtout quand tu bosses de nuit, tu vas être naze. Il te faut de l'énergie. Hein. C'est quoi, c'est... Je crois que c'est un truc de jeu. Mais je suis pas sûr. Ah ouais. Eh, ben j'ai plus de place. Ça y est, je range n'importe comment. Hein. Ouh là là. Fromage à raclette cuit. Ah, ail et fines herbes. Ça, c'est bon, ça. Ah, y'en a, ils aiment pas le fromage. Ah. Pauvre de vous. C'est tellement bon. C'est pas pour le linge sale, ça? Ou pour les parapluies, peut-être?
Oh, j'avais pas vu les deux gros poufs. Bon, on n'a pas de canapé, par contre, ça c'est un peu la tristesse, mais les poufs, c'est bien. Ah ouais, c'est pour les parapluies. Ouah, mais en fait, je suis une vieille. Je suis une mamie, j'ai un chandelier et j'ai une canne. Et j'ai quel âge? M'a-t-on menti? J'ai toujours des peluches, heureusement, mais... Mamie Nao, ouais. Oh, Burcher. Le Burcher. Mamie Nao et son porridge du matin. Mais arrêtez, c'est trop bon le porridge. C'est beaucoup trop bon. Porridge. Je vous avais déjà dit ma recette, je crois. Porridge avec... Alors, vous pouvez le faire avec du lait. Moi, je le fais avec de l'eau, parce que c'est un peu plus léger. Puis ça coûte moins cher en lait aussi. Petit porridge. Ah, la petite poule. Avec un peu de chocolat noir. Du beurre de cacahuète, mais du vrai beurre de cacahuète, pas le truc américain dégueulasse. Hein. Et des petits bouts de banane coupés par-dessus. Mmh. C'est trop bon. Je vous jure, c'est trop bon. C'est la folie. Bon, faudrait que je varie un peu ma recette, parce que là, ça fait depuis cet été que je mange la même chose. C'est quoi, ça? C'est pas une main de geisha, non? Une main de... Putain, je sais plus comment ça s'appelle. Si, c'est main de geisha? Eh ben, je sais plus. Pour mettre la guitare. Le Bircher... Je sais pas ce que c'est. Bircher. Mais c'est quoi le Bircher? Ah, c'est pour mettre l'enceinte, ça, non? Ah non, pas du tout. C'est quoi le Bircher? Je connais pas. Elle va me donner faim, qui c'est à moi avec le porridge. Miam, miam, miam. Après, c'est toi d'être malade. C'est très sain, hein, tout ce qu'il y a dans le porridge. Hein. Tu peux pas être malade avec ça, c'est pas possible. Hop. Pef. Et bah voilà. Ah oui, bah non. Oh merde. Là, c'est rangé. Ah ouais, les allumettes, je les mets où? Là. Bah, c'est pas ouf bien rangé, hein. Ouf bien rangé, ouais. Quoi? J'ai pas le droit de mettre la bouilloire ici? Et ça, pourquoi j'ai pas besoin d'y mettre... Je peux... Hein? Pourquoi? N'importe quoi. C'est bon, là? T'es content? Oh, mais... Beer... Cher. Beer cher. Là, j'ai dit comme il faut? C'est bon? À la main de Fatima. J'ai dit la main de quoi? Je sais plus. J'ai dit n'importe quoi, je crois. Chandelier de Hanouka. L'heure passe trop vite. J'avoue, c'est passé super vite. Je sais même pas si on a le temps de faire une autre maison. Coucou. C'est quoi que j'ai mal rangé ici? Ah oui, c'est ça. Je sais pas ce que c'est. Mode de couture. On va mettre là, hein. Badum. T'as vu, j'ai tout bien rangé. T'es fier de moi? Yes. Main de geisha. Ouais, j'ai dit main de geisha, je crois. Mais je crois que j'ai dit n'importe quoi. C'est pas ça. Sondage, bière brune ou blonde? Ah bah allez-y, si vous voulez. C'est main de geisha. Est-ce qu'on a le temps de voir au moins vite fait l'autre appart? Je sais pas si ça sauvegarde à n'importe quel moment ou pas. J'ai gagné un autocollant. Je trouverai comment récupérer un canapé plus tard. Mais pourquoi on a des trucs de vieux? Faut m'expliquer, hein, parce que la canne et tout. Indépendance. Bah ouais, bah je suis jeune alors. Pourquoi j'ai des trucs de vieux? C'est bizarre. Ah, il est bien sucré aussi, ouais. Bah, je suis dans le même appart. Oh non, il y a encore un mec qui emménage avec moi, c'est ça? Oh non. Oh non. Oh non. Et en plus, il faut que je déballe ses affaires. Oh, on a
un vrai ordi. Oh, regardez, c'est trop mignon. Regardez. Ah. Il manque trop chou. C'est le bordel un peu sur mon bureau, on dirait mon bureau à moi. Ah, mais il y a plein de nouveaux petits trucs. Tu veux le faire à notre place, mais oui. Attendez, attendez, mais... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ou alors on a juste acheté des nouveaux trucs, hein, peut-être. En vrai. J'adore parce que, genre, j'avais rangé d'une certaine manière, elle a tout rangé en mode... Oh, non, j'aime pas ce que t'as fait. Il y a deux trucs. Bah voilà, on emménage avec quelqu'un. Super. Ça va être encore le bordel. Génial. Bon, vas-y, on va essayer de faire ça, vite fait. Petit truc pour le gruyère, là. Bien sucré ou salé. Ah. Ah, quelle horreur. C'est quoi, ça? C'est de l'huile de moteur? Tu as un rebord de fenêtre pour la plante. Toi, t'aimes bien les rebords de fenêtre. Non, mais c'est bon, en plus, t'as raison. Ça va bien, là. Gavin aime bien les rebords de fenêtre. J'ai pas un petit truc pour accrocher ça. J'en ai fait quoi, des autres torchons? Ah, ils sont là. Torchon. Un nouveau petit... voilà. Oh là, mais attends, il y en a trop, là. Ouais, j'ai un petit caca. Trop bien. Trop contente. Je peux... Oh, putain. Je peux vous mettre la louche. Je la mets là. Plein milieu. Ah, ça pour la vaisselle, c'est bien. Mais ça, ça va là, normalement. Allô? Ah, c'est peut-être ça qui gêne, attends. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est des bols? Bah, c'est quoi? Ah, c'est un panier genre XXL en plusieurs... Oh, en plusieurs compartiments. C'est trop bien. C'est quoi cette merde? Ah, il y a une friteuse. Qu'est-ce que j'en fais? J'ai plus de place pour la friteuse. Je vois que quelqu'un a pas... Tiens! Là, c'est parfait. Je trouve que c'est très très bien. Non, mais j'ai plus de place, ça suffit. Balance-le par la fenêtre. Oh là là, qu'est-ce que je fais de ça? Encore un aimant. Un vide-poche peut-être? Bah, le vide-poche ça va pas trop sur la table de la cuisine, mais bon. Je pourrais le mettre ailleurs. Putain, il y a 40 millions de sauces. On dirait chez moi. Chez Wham. Chez Wham! La fruitée, la noire? Non, Méo, de quoi? J'ai pas suivi, attends. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, on va se refaire un petit live cuisine. Si vous le voulez bien. Ça fait longtemps. Allez, cuisine, c'est bon. Alors, ensuite, ici. On a des rebords de fenêtre! Gabe, regarde! Regarde comme c'est beau! Regarde! Ah, on a un nouveau meuble, ça c'est cool. Il y a eu que 3 votes. Du coup, il y a une égalité parfaite. Bière au beurre blanche brune. Mais attends, il y a même pas la blonde qui a fait ce vote. Qui a fait ça? Un live à l'aide, ouais. Exactement. Le petit arrosoir pour la plante. C'est coco. Il y a même pas la bière blanche Oh. Oui, il y a bière blanche, mais ça c'est encore autre chose. Il y a même pas la blonde. Personne aime la blonde. Moi, j'aime bien les blondes. La bière, c'est bon point. La bière, c'est bon point. Bon, après, c'est vrai que si vous pouvez éviter de boire de l'alcool, c'est toujours bien. Oh, Anti-héros saison 2. Ça a l'air chouette. Ça me donne envie de regarder, quoi. Regardez le poster. Même pas créer qu'il est nul ce pote. C'est quoi, c'est un aimant ça? Je sais pas.
Ah, c'est dessous de verre. C'est dessous de verre, c'est bon, j'ai la ref, j'ai la ref. C'est des petits dessous de verre. En forme de petits fruits. Oh non, il y a encore des livres. Au secours. Ah non, c'est des jeux. Ah ouais, mais j'ai plus de place pour les jeux, là. Encore des dessous de verre. Hop. Hop. Oh, c'est trop bien. Regardez. Je veux ça chez moi. C'est une petite tête de Cthulhu. C'est trop cool. Regardez. Ah, c'est la méga classe. À côté des plantes, en plus, c'est parfait. Elle est trop belle. Elle est trop bien. C'est Cthulhu. Encore un pot. C'est pas de pot. Oh, encore. Attends, est-ce que je peux les mettre sur un Robert Fett? Bah non. On peut pas les empiler au moins? Ah, si. Ah, ça doit être genre le terreau ou... Encore un pot. Encore un dessous de verre. C'est peut-être pas des dessous de verre, finalement. J'ai un doute. Blonde, blanche, ambrie. Ah oui, les lambris, lambic fruité, brune, noire, IPA. Il y en a beaucoup, oui. Il y en a pas mal. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça s'accroche, ça? Ah ouais. Petit truc de déco, mais je sais pas trop ce que c'est. Encore un truc de déco. Je peux l'accrocher? Non. Il n'y a plus de place, hein. Mais la tête de Cthulhu sur lecteur DVD pour faire peur aux invités. Je peux pas. Sinon, tu la mets vraiment dans l'entrée, tu vois. Bien, ça s'accorde avec la bouffe. Tu peux, c'est vrai. C'est vrai. Comme le vin. Préférence pour les blondes, quand même. Hop. Non, mais il n'y a plus de place. Faut arrêter avec les bouquins au bout d'un moment. Ça suffit. Il y en a trop, des bouquins, dans cet appart. Ah, mais attends, je peux les mettre là. Kizako. Encore un ordi? Ah, c'est peut-être un ordi. Oh là là, oh les petits coussins. Regardez-moi ce bruit de canapé là que j'adore. C'est trop bien. Oh le petit plaid! Oh oui, il fait froid en ce moment. Je suis nazi, quoi? Ça va pas la tête. Attention. Ils disent. Ah, un parapluie. Non mais la carte pourra m'expliquer. Hein. Ouais, j'ai un serpent. La mort qui tue. De la mort qui tue. Encore des putains de bouquins. Vous avez entendu le bruit? Il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer chez moi. C'est un jeu d'horreur d'un coup. Vous l'avez entendu ou pas? C'était bizarre. Voilà, c'est demain et la chambre, et après, je vous laisse. Y'a pas de robot... Gabe, y'a pas de robot de fenêtre! Comment on fait? Ici, comme ça, elle a tout le temps de l'eau. Non, pire idée. Non, mais déjà, tu mets pas une plante dans la salle de bain, en fait. Je vais pas la mettre dans la salle de bain. Je vais la foutre ailleurs. Tiens, on va la mettre là. Hop. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait un... Ah, mais attends. Je prends de la chambre après. Ouah! Je vais ramer. Alors, ah, on a un petit truc pour pas glisser. Encore du maquillage. Ah, ça c'est bien pour les serviettes. Peut-être qu'un jour tu t'es cassé la jambe et tu l'as gardée. Ah, la canne, peut-être. Je sais pas. Je sais pas trop. Maquillage. Encore du nouveau déo. Putain, la deuxième brosse à dents. Non, mais ça y est, hein. On est foutus, les moignons. C'est un recourbeur de cils. Ça m'a toujours fait flipper cet instrument. Je sais pas pour vous, mais... 40 000 crèmes différentes. Eh, mais... Je suis en train de mettre des affaires de filles depuis tout à l'heure. Peut-être qu'en fait, on est en couple avec une fille. Peut-être. J'essaie d'imaginer l'histoire du jeu, hein, ça me fait marrer.
Peut-être que c'est ça. Oh non, il n'y a plus de place. Oh putain. Oh le rasoir, il va me saouler. Il y a des tampons. Non mais c'est ça, hein. Cherchez pas. Couple avec une fille, bah ouais, il y a moyen. En vrai. J'aime les sensations fortes, qu'est-ce que vous dites? Plan dans la salle de bain, PQ supplémentaire. Pourquoi pas une plainte dans la salle de bain? Bah, disons qu'elle a pas de lumière et elle est dans un endroit très humide. Alors après, l'humidité, pour certaines plantes, ça peut être cool, mais elle a pas de lumière, dis rien. Enfin, après, je dis ça, en vrai, non, j'ai parlé un peu vite. Je crois qu'il y a des plantes qui aiment bien l'obscurité et tout. C'est vrai. C'est vrai. Mais, ouais, je sais pas. C'est pas le premier endroit où je mettrais une plante. Après, tout dépend de la plante, peut-être. Peut-être. Non, mais c'est ça, en fait, cherchez pas. Ça nous a gavé les mecs, du coup, on s'est mis en couple avec une nana. Si sûr, si ça. Regardez, elle a son petit pyjama. Oh, elle a des doudous. Oh, il est trop mignon, en plus. En plus, il fait chaud, ouais. Faut vraiment que ça soit une plante adaptée. Hein. Oh là, alors par contre, avec ses bottes, elle va m'emmerder. Ah, tes bottes de cheval, je sais pas où les mettre, là. Hein. Ah, bah ouais. Ou alors, je les mets là, mais... Pas ouf, quoi. Elle a une belle robe. Genre on met pas, on range pas nos soutifs ensemble quoi. On pourrait hein, en vrai. Hop. Il y a des plantes qui capturent l'humidité justement. J'en ai une chez moi car je suis au rez-de-chaussée et c'est piscine sans plantes qui enlève un peu. Ah ouais, genre elle absorbe et tout. En vrai c'est trop bien. Oh ça c'est trop cool. Ah, anti-héros, la casquette. Attention. La casquette. Je savais pas qu'il y avait des plantes qui absorbaient comme ça l'humidité. En vrai, c'est cool. Ça peut régler ton problème d'humidité et en plus... Bah, ça décore, quoi. C'est sweet. Est-ce que la plante boit une bière blonde? Attends, on a tous les mêmes soutifs, par contre. Hein. C'est une catastrophe, ça. Merde, attends, c'est une culotte ou une chaussette? Essayez, je sais plus. Essayez, je sais plus. Petite robe. Hop. Petite robe. Petite nuisette. La coquine. la coquine. Non, c'est une chaussette, ça. Non. Ah! Oh! Bordel. Ça suffit. Ferme-moi ce truc! Oh, puis merde. Mais c'est une fan de My Anti-Hero, non? Elle a plein de trucs là-dessus. Oh, regarde, Gabe! On va pouvoir mettre tout ça sur les rebords de la fenêtre! Regarde! Ah, mais non, bah, pas celle-là. Bon, on peut la mettre dans le coin. Ouah, vas-y, elle a un beau casque, on dirait un casque Marshall. C'est quoi ça? Un petit thermomètre? C'est un thermomètre? Ah non, c'est de l'encens! Ah, et ça, ça doit être des trucs d'encens. Ouais, bien joué, bien joué. Alors, par contre, ces chaussures, ça va pas le faire. Je peux pas les foutre... Ah, si, attends. Mettre là, hein. Sinon, on va pas y arriver. Tu remarqueras que tu n'oublies plus. Non, mais. Comme quoi, hein. Ça m'a servi. Voilà. Par contre, ces pompes, je sais pas quoi en faire. Hein. Les pompes chaussons, là, vas-y. Près du lit, non? Bien, près du lit. C'est pas mal. Il y a plus de place pour les cintres aussi. Allô?
peux en mettre là. Plein de belles robes. Pendant que moi j'ai des cannes et des trucs de vieux. Elle a plein de belles robes. C'est un takiwalki? Ah oui. Pourquoi elle a des... C'est une agence secrète. Vas-y, on aurait pu ranger nos culottes ensemble. En vrai, c'est plus simple. Vas-y, c'est bon, arrêtez de se prendre la tête, quoi. Bien qu'il y ait quelques avantages avec une gonzesse, quand même, non? Dis donc. Bref. Partagera nos culottes, si t'es pas contente, c'est pareil. Bref. Mais elle a des vêtements trop beaux. J'ai le droit de lui piquer ses vêtements? Je peux? Mais elle a des trucs trop beaux. J'ai plus de place. Pour vos jeux de rôle, peut-être vous jouez à la police. Peut-être. Avec le tequila. Oh non, j'imagine trop du coup. Ça doit être très bizarre. En pleine action. Houston. Ça doit être bizarre. Ça devient compliqué là. Ça y est. Et c'est la merde. Pas un peu de place. Hein. Ça devient un peu le bordel. Oh, dès qu'on emménage à deux, c'est le merdier. Putain, mais elle a combien de cintres? On peut dire qu'elle est complètement cintrée. Il est un peu... Qu'est-ce que tu dis? Coucou, Siona, tu vas bien? Cécile, le live arrière-fond pendant le décrochage du linge. Exactement. T'arrives un peu à la fin, par contre, donc j'espère que... Bah, tu vas vite décrocher ton linge. On a bientôt fini. Et juste de ranger les vêtements de madame. J'ai plus de place. C'est une catastrophe. Je sais plus où mettre les trucs. J'ai pas très bien rangé, hein. Ouais, par contre, les pantalons arc-en-ciel, je sais pas si je suis d'accord. Je sais pas si je pose mon aval pour ça. Je sors des cours. Ça y est, tu es en week-end? T'es encore cet après-midi. Pouf. Genre, j'ai pas le droit de ranger les chaussures là. Bah ouais, mais je les mets où? Oh, mais n'importe quoi. Ah, ça veut dire qu'en gros, faudrait que je mette les pantalons là, peut-être. Pour dégager de la place. On va faire ça, hein. Oh, c'est rangé n'importe comment. J'ai fait vraiment nimp. Ah oui, c'est vrai qu'il y a encore des cintres. Hein. C'est vrai. La petite plante ici. Non, mais la plante, je la mets où? Genre, la casquette ici, non, ça te plaît pas. Genre, non. Pourquoi? Pourquoi t'es pas d'accord avec ça? Attends, il reste encore des chaussures à mettre. Ça va être compliqué. Bon, on va mettre ouais, on va mettre des vêtements sur cintre. Hein. Mais non, j'ai plus de cintre. Comment qu'on fait? Alerte, il y a plus de place. Oh putain. On va pas y arriver. Wesh, elle a pris toute la place. Enfin, j'ai pris toute la place. Pourquoi il y a une chaussure là? Eh, c'est le bordel. Hein. C'est vraiment le bordel. Tapis de gym sous le lit. Ah, on avait réussi à le faire une fois, ça, non? Non, je peux. Ah! Ah si, je peux. Parfait. Yes. Comme ça, je peux mettre les chaussures là. Mais pourquoi c'est pas autorisé les chaussures ici, quoi? M'explique? C'est quoi ton problème? Genre, celle-là, t'as le droit, mais celle-là, non. Puis y a ça à mettre aussi. Ça y est, c'est la merde.
t'en mettre une plante, là. Mmh. Je sais pas. Je désespère, je sais pas comment faire. Attends, je peux peut-être y mettre dans une autre pièce, en vrai. Ouais, y'a tout ça qui est mal rangé. What? Mais ça, j'ai pas le droit non plus. Mais où j'ai le droit de mettre mon sac? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Ah merde alors, je peux où mettre mon PC? Dans mon bureau peut-être? Alors par contre, faut m'expliquer des fois le jeu, il est pas logique quand même. Hein. Genre pourquoi là j'ai pas le droit? Oh, putain, et c'est 46 en plus, genre faut que tu m'arrêtes. Range-moi ça là. Hop, sous le lit. Non? Ah là ça passe. Bon, la plante. La plante, on va y mettre dans le salon. Non? Si, voilà, parfait. Ouah, j'ai gagné un autocollant. Main verte. J'ai la main verte. Ah, le sac, je peux le mettre. Le sac, je suis autorisé à le mettre nulle part. Sous le lit. Sous le lit aussi, peut-être, c'est des chaussons. Ah, tu penses? Pourquoi la friteuse dans le lavabo, ça marche pas? Faudrait m'expliquer. Hein. Franchement, je comprends pas. Chaussons sous le lit. Ah ouais, oh, t'as raison, c'est ça. Oh la vache. Il faut trouver quand même. Bon, ça, j'y mets où? Ah bah, le sac ici, ça passe. Par contre, ça, je sais pas où j'y mets. Hein. Salle de bain, peut-être. Il n'y a plus de place en salle de bain. Là! Ici? Non, ça passe pas. Pourquoi ça passe pas, là? Diantre! Je sais pas, moi. Jeux vidéo rendu violent. Bah ouais, quand t'arrives pas à ranger les trucs... Là, je peux pas le mettre. Sous le lit! Mais je sais pas, moi. Boîte à bijoux ou un maquillage, bah ouais, bah salle de bain, ça passe, non? Irène aussi, ça rend violent, j'avoue. Oh bah je sais pas quoi en faire. Bon attends. Oh mais ça, genre c'est pas rangé quoi, n'importe quoi. Y'a plus de place. Alerte. Mais quoi, comment ça, non? Mais comment ça, non? Mais... Oh, le jeu rend fou parce qu'il veut vraiment que tu mettes ça à un endroit précis. Mais il n'y a pas de place! Tu veux que j'y mette tout? Genre... J'ai le droit d'y mettre nulle part? Oh là là. Ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Je deviens fou. Ça c'est pareil, pourquoi non? Allez, par contre sur le frigo ça passe. Ici non, mais sur le frigo, ok. Bon, la friteuse là. Putain. J'en fais cette friteuse. Sur le frigo. Le frigo. Plaque à gâteau dans le four. Ah, c'était une bonne idée, mais je peux pas l'ouvrir. C'est vrai que ça prend de la place. Attends, si je... Attends. Là. Lâche-moi cette poêle. Ok. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, c'est tout rangé, là. Il reste que la salle de bain, du coup. Il reste ce truc, là. Je sais pas quoi en faire. Je peux pas y mettre dans le salon. C'est bien là. Pour les plaques, il y a un tiroir dans le four. Non mais ouais, non, non, mais...
C'est pas du foutage de gueule, là. J'essaye d'y ranger absolument de partout. Mais non, fallait mettre le truc par terre. Non, mais c'est vrai que c'est logique. La boîte à bijoux, c'est par terre. Ça rend fou. Et oui, on est en couple. On avait compris hier, ça. Hein. Quelle chance d'avoir cet espace dans la garde-robe. Amur. Oh, l'amur. Bon, allez, je vais vous laisser ici. Il est tard. Je me dépêche. Nous sommes en 2018. Oh, ça a l'air d'être beau. Attendez, je veux juste voir. Juste voir vite fait. Oh, on a un garage. On a les toilettes séparées de la salle de bain. Il y a une belle cuisine avec plein de place. Et du coup, on est de nouveau plus en couple. Ça y est, c'est encore la rupture. Ah, j'ai l'impression que oui. Bon.